match nul préoccupant contre Zulte Waregem, une victoire convaincante au Lyrs, où en est réellement le Standard en ce début de saison? C'est l'interrogation à l'entame de ce match opposant les Liégeois à l'Auxerrois. Les intentions, elles, n'ont pas changé. Faire le jeu et aller de l'avant. Rien de surprenant dès lors de voir le Standard dominer la première demi-heure de jeu. Le jeune Syriac démontre une nouvelle fois tout son potentiel, mais comme ses pairs, il pêche à la finition. Un défaut majeur que ne connaît pas l'équipe visiteuse. Première incursion offensive, première occasion et première réalisation. Persons en personne profite d'un certain laxisme dans l'arrière-garde liégeoise pour tromper Sinan Bolat, 0-1 à la pause. À la reprise, le Standard ne retrouve toujours pas le sourire. Ce n'est pas faute d'essayer de se rapprocher du cadre. Benteke place dans la tribune 4. Defour vise les filets, mais Copa dévie sur son piquet. Et alors que Syriac blessé traîne en bord de terrain, Persons, encore lui, traîne seul au second poteau. Sa frappe déviée par Depau fait mouche, 0-2 contre le cours du jeu. Luigi Pieroni fait sa première apparition, le Standard multiplie les occasions mais surtout empile les buts. 69e, Copa se loupe, Defour place une superbe louche, 1-2. 70e, Carcella va jusqu'au bout de son effort, contre favorable, frappe placée, 2-2. 71e, la défense locquerenoise voit Carcella mais ne réagit pas. Le médian droit s'en donne à cœur joie, 3-2. En 2 minutes, le Standard a complètement inversé la tendance, enfin qu'il croit. Car à 3 minutes du coup de sifflet final, Chimanga vient gâcher la fête rouge en fusillant Bolat, 3-3. Et ce nouveau partage à domicile pour ce Standard qui méritait mieux que ça.